Zéro. On vous présente ici les meilleurs vœux de l'un de nos grands amis, Tazaba, un ami d'enfance qui a vécu tout le temps avec nous. Vous pouvez dire que c'est l'aîné du clan de la pyramide Tazaba, le Hajj Hala. À l'occasion, la nouvelle année 2010, l'agence immobilière Amina Azaba souhaite une très bonne heureuse et une bonne heureuse année à tous les Azabis Jimapois qui sont à l'étranger, sans oublier les Benchernim d'Avignon, Nabil de Toulon, les Ouchnans de Mulhouse, ainsi que les familles Kerkouf de Strasbourg, ainsi Mersin d'Allemagne, ainsi que la famille Kishroud de l'Angleterre, ainsi que tous les amis du Canada, les Finali, les Adlani, les Benchalel, Abdrahman, sans oublier aussi Tazir. Sans oublier aussi le Hamzaoui Sherif, Sherif Rahmouni, Hamid Lekhal, Hamid Lekhal en Tchécoslovaquie, Saïd Gassi, Saïd Gassi, Mohamed Toua, Mohamed Karim de Dijon, Nasser de la Belgique, Karim, ainsi que tous les Jimapois qui sont en Amérique, ainsi que Saadi, Saadi Kemal, oui. Le frère de Rabah, oui. Ainsi que l'Ibrania, Ben Hamioud du Canada, Farid Dandan du Chicago, Brahim Jilwaji de Marseille, Wahab Fadel de Marseille, et tous mes condoléances à Brahim Jilwaji pour l'amour de son père, qu'on l'a enterré ça fait deux jours. Cheikh Al-Abbas, Allah yirahmou wa sa'ali. C'est bon. Vous venez d'entendre les vœux d'un cher ami à nous, Al-Hajj Halal Sallawi. C'est agent immobilier. C'est le symbole de GEMAP. C'est le symbole de GEMAP. Je dirais même que tu es quelqu'un qui a appartenu à trois ou quatre générations. Ainsi, les vœux ont été faits d'une manière très ponctuée. Et je dirais pour terminer qu'il n'y a pas mieux que de se souhaiter une bonne et heureuse année pour 2010 à tout le monde. Et on souhaite aussi une bonne réussite pour l'équipe nationale dans la CAN. La CAN et la Coupe du Monde, et je vous dirai qu'on sera très très heureux vers la fin de l'été parce qu'on va réussir les deux grands rendez-vous footballistiques et on va faire la fête comme on l'a fait dernièrement. Et une bonne vie pour vous. Allez, salut. Je remercie mon frère et ami Hossein Gassi de ce reportage ainsi que Nordin Rogui qui l'a fait de son mieux. Il a tout fait pour réussir dans ce domaine. Et pour contenter tout le monde. Merci. Au revoir. Bisous à tout le monde.